Nouvelle vidéo de notre défi, une vidéo par jour pendant 30 jours afin de vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr. Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Dans cette vidéo, nous allons particulièrement répondre à la question de Sullivan, qui a deux chiens, un berger australien et un croisé border collie, et il nous dit comment faire, les deux chiens s'aboient dessus lorsqu'ils rencontrent des congénères ou lorsque je rencontre des gens. La première chose en place lorsque l'on sort plusieurs chiens ensemble et qu'on veut qu'ils aient un bon comportement, c'est de consacrer du temps en individuel à leur éducation. D'autant plus si ce sont des chiots. Parce qu'en fait, les chiots vont davantage chercher à interagir ensemble plutôt que de créer une connexion avec vous. Et vous, ce que vous avez besoin, c'est de leur apprendre ce que vous souhaitez, leur apprendre les comportements qui sont acceptables, autorisés lorsqu'ils sont en laisse. Et si vous les sortez tous les deux en même temps, ils vont plutôt s'inciter à avoir des comportements de jeu, des comportements peut-être d'excitation, des comportements canins, alors que là, on a besoin de leur apprendre à marcher en laisse sans tirer, s'asseoir, ne pas bouger quand c'est nécessaire, comprendre quand c'est autorisé d'aller se défouler. Donc vous allez avoir beaucoup plus de concentration si vous les prenez en individuel. Vous allez vous aussi de cette façon apprendre à mieux connaître vos chiens. Deuxième point important lorsque l'on sort plusieurs chiens, c'est la place que vous allez leur donner. Est-ce que vous allez prendre tous les deux du même côté, à droite ou à gauche? Est-ce que vous en prenez un à gauche et un à droite? Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise pour pouvoir faire passer un message individuellement. Et d'ailleurs, là, je vais vous conseiller d'utiliser vraiment de l'aise pour pouvoir passer un message à un chien sans interagir sur l'autre physiquement avec la laisse. L'erreur pour être faite, c'est de prendre un coupleur, en fait, où on va attacher les deux chiens ensemble, ou alors de reprendre les deux laisses dans la même main, et en fait, d'interagir sur un chien qui n'avait pas forcément eu un comportement de vous désobéir alors que vous vouliez reprendre l'autre. Avec le temps, il est évident, et des chiens éduqués, vous pourrez très bien avoir les deux laisses dans la même main, une laisse double, et avoir le chien que vous tenez dans la même main. Mais au début, cette phase d'apprentissage va nécessiter de faire passer un message différent à l'un d'à l'autre. Dernier point qui répondra à la question de Sullivan, c'est pourquoi mes chiens s'aboient entre eux lorsqu'on croise des humains, des congénères, et comment faire pour améliorer ce comportement. Alors il faut comprendre déjà que la plupart des cas, l'aboiement, c'est le résultat d'une émotion vive qui est montée à l'intérieur du chien, et c'est une façon d'extérioriser. Dans le cas de Pika et Pogo, le border et le croisé australien de Sullivan, c'est certainement une frustration. Alors frustration soit de ne pas pouvoir aller jusqu'à cette personne, de ne pas pouvoir aller jusqu'à ce chien. Toujours est-il qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions à ce moment-là et qu'il y a une forme de synchronisation qui se fait entre les chiens. Tout comme nous en fait, hein. Si vous rentrez du travail et puis que vous avez passé une mauvaise journée, que vous n'êtes pas très bien émotionnellement, et ben vous risquez de transmettre cette émotion à votre conjoint, tout comme ben, en fait les émotions positives sont communicatives, tout comme l'excitation peut être communicative aussi. Il faut dans ce cas, quand on a plusieurs chiens, repérer l'élément déclencheur. Alors l'élément déclencheur, vous l'avez repéré, humain, chien. Et maintenant, on va repérer l'individu déclencheur. Quel est l'individu qui va démarrer en premier? Alors, ça, c'est souvent un peu plus compliqué puisque, au fil du temps, il y a une forme de ritualisation qui s'est mise en place. C'est-à-dire que les premières fois, le comportement était moins installé. Et là, on aurait pu voir beaucoup plus rapidement le premier qui avait envie d'aller vers l'autre chien, le premier qui montait en excitation ou celui qui montait le plus en excitation. Et c'est lui qu'il faut travailler davantage en individuel. Car si vous appliquez les deux conseils précédents, prendre les chiens tout seuls, les éduquer, mettre en place de la gestion de la frustration dans des exercices d'éducation, mettre en place quand vous avez les deux une façon de reprendre individuellement l'un et l'autre, et ben vous allez avancer sur ce point quand ils sont tous les deux. Donc le job, ça va être de leur faire comprendre déjà tout seul qu'on ne peut pas forcément aller voir un humain
aller voir un autre chien, obtenir un assis, pas bouger, un coucher, pas bouger, récompenser ce comportement calme. Et après, on va essayer de l'obtenir quand ils sont tous les deux ensemble, mais à grande distance de l'humain, à grande distance du chien. Et on construit l'obéissance. Si ça monte en pression jusqu'aux aboiements, c'est qu'on est allé trop vite. Donc, il faut revenir en arrière, mettre plus de distance et être très observateur de celui qui monte en excitation en premier. Un battement de queue, c'est l'excitation qui monte. Je commande une position, s'asseoir, ne pas bouger par exemple. Voilà les quelques conseils que je voulais vous apporter dans cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en me disant comment vous faites-vous pour gérer les sorties si vous avez plusieurs chiens. À bientôt pour une nouvelle vidéo.